direction les orgues de Val-Senestre, commune de Val-Jouffré. Une école qui était ouverte jusqu'en 1936. Là, je suis en début de randonnée. Alors la route, ça serpente beaucoup, hein. C'est un temps perdu. Mais par contre, il y a la blinde de bagnoles. Mais bon, on est début septembre. Allez, go! Voilà, 13 km, pas loin. Et 1100 de dénivelé. Alors c'est quand j'ai vu les photos, je me suis dit qu'il faut que je fasse cette randonnée. Hein. Parce qu'on se croyait effectivement dans une autre planète. Hein. Vous verrez ça, c'est... Elle fait frais. 9 degrés. C'est tout des strates comme ça, verticales. Et puis après, t'en as qui... T'as l'impression qu'ils sont complètement explosés. Hop, ça... comme un chignon. Ouais, c'est à voir. Alors, j'ai vu qu'il y a un lac sur la photo, là. Je sais pas, je m'étonnerais qu'on y passe. Alors, pour l'instant, c'est tranquille dans cette montée progressive. Mon avis, ça va être un peu moins cool après. Moi, ouais, je pense que le dénivelé il est bien réparti de ce que j'ai vu. Et vu le monde qu'il y a, je peux te dire qu'il y a deux jours, il y a plus 30-40 mm. Alors, et il y a neigé aussi, même dans les PO. Donc, bon, mais on devrait avoir le soleil tout à l'heure. À monter progressive pour l'instant. Là, j'ai croisé mon chemin retour sur ma droite. Là, on a des belles couleurs. Hein. Alors, une sorte de cul-de-sac. On est allé sur la gauche en épingle à cheveux dans la forêt. Là, pour l'instant, ça monte toujours progressive. Là, le torrent, c'est torrent de Béranger. Où on parle de vallon de Béranger, je crois, j'ai lu. Et vallon de Val-Senestre. Ouais, pour l'instant, ça va. Alors, il y a deux patous en estive. Pareil qu'ils sont sympas. Nous sommes dans le parc national des Écrins. Ouais, là-bas, ils ont tout consolidé, là. Avec du bois là, je sais pas, il y a au moins 5 mètres. Ah bah sinon après il y a trop d'érosion. Hein. On voit c'est sympa comme tout. Hein. Alors montée en forêt, toujours progressive. Au grand max on a eu du 17%. Bon, c'est tant mieux. À mon avis, on va avoir quelques pics quand même de montée. Hein. Parce que 17%, il n'y a pas le compte. Hein. Un beau petit panorama là. J'espère qu'on va pas tout en haut du haut. Parce que. Voilà. Enfin. Bon, à mon avis, s'il y a de la neige, c'est de la neige molle. Hein, avec ce qui a neigé. Donc ça devrait aller. Parce que c'est pas. Si, pour l'instant, on n'est pas vraiment au soleil. Ouais, ça va, toujours progressif. Hein. Et en fait, on vient de tout en bas. Je pense que là-bas, on voit Val-Senestre. Ah, il a déjà fait une trotte. Hein. Ouais, je vais pas regarder le dénivelé. Non, mais là, c'est tous les zigzags. Je sais pas, je les ai pas comptés. Il y en a un paquet. Et c'est pas fini. Ouais, je pense que la cabane du berger, elle est là-bas, qui est ouais, ici là. Donc on devrait pas croiser les bateaux. C'est vrai que j'ai pas fait de photo pour voir quelle direction c'était là-bas. 3,42 km et 466 mètres de dénivelé. Ça va, hein, c'est pas franchement c'est pas violent. Hein. Pour le moment. Alors, le panorama arrière qui va commencer à se masquer parce que il me semble avoir remarqué. Il y a de la neige aussi là-bas. Bon, comme on voit jusqu'à 2300, ça devrait aller. À mon avis, les orgues, c'est là-bas.
Ça ressemble bien, on voit déjà bien des strates verticales. Et puis après, alors ça tombe, est-ce qu'on voit jusqu'en haut, je crois. Ça fait comme genre des choux-fleurs, j'avais vu la photo, là, comme des choux-fleurs un peu explosés, mais... ou comme dans Superman, tu sais. Avec tout des une boule avec tous des pics comme ça. Et le petit village, il est tout en bas là-bas. Ouais, sacré panorama, hein. Alors on s'élève, hein, tout doucement, mais on s'élève. Donc non, c'est quand même assez progressif. Donc ouais, bah la boucle, c'est une boucle sur la droite. Donc j'ai bien senti qu'on est allé sur la droite et on est au panorama masqué là, derrière les arbres de tout à l'heure. On est repassé en forêt avec des zigzags, enfin un peu moins que tout à l'heure. Hein. Mais et puis il y a des petits faux plats. Là, il y a des gens qui descendent. J'ai croisé combien? Ils étaient tac tac tac. Ils étaient 6, ça va faire 7, le 7e. Non, regardons ça. Je sais pas, j'ai oublié. Ah, voilà ce qui nous attend là. Enfin, de ce qu'on va voir, on passe pas par là. Ah, à mon avis, on va tout en haut là-bas. Ouais, tu vois, on voit des tac tac tac, ça part dans tous les sens là. Non, j'ai pas eu totalement les idées claires. Moi je pense que alors soit le chemin et retour il passe derrière, soit ce que j'ai pas dit tout à l'heure, hop, c'est que on voit bien le chemin là, ça va fait et puis on montrait là-bas hop. Ouais, c'est une sacrée pente, hein. Ouh là là. Et notre chemin arrière il est là. Ouais, ça va, la pente, elle est assez, assez, ça monte assez progressivement, mais bon. Après, il y a le cumul. Alors, deux, trois petits virages en dessous. On voit pas bien loin. Nous étions à 758 mètres de dénivelé. Et 5 km 22. Là, on dirait qu'on a une petite ligne droite montante. Hop, tu vois, ça approche des orgues. Alors, je sais pas si c'est des orgues basaltiques, on sait rien. Basalte, ouais, on sait pas. Et donc, ça nous fait un petit 17% de moyenne, ouais. Ah, y a eu, au début, c'était pas 17. Hein. Comment ça, toi? Ouais, que je fasse profiter tout le monde. Puis moi aussi, je fais une petite pause parce que... Ouais, le chemin, si c'est le chemin retour ou pas, il n'a pas bougé, sinon c'est peut-être que c'est derrière. Les sapins de Noël. Hop. Et les orgues. Ouais, on verra mieux tout à l'heure. On est loin d'être arrivé encore. Mais par contre, on a des beaux petits panoramas. Hop, même si on s'élève un petit peu là, on sent que il fait un peu plus chaud que tout à l'heure. Ah bah on s'approche. Hop. Ouais. Là, sinon, c'était soleil dans les yeux. J'espère que, ouais, on voit bien. Ouais, de toute façon, on s'approche, on passe juste à côté, hein, là-bas, regarde. C'est un entremêlement de, comment ça s'appelle, de kryptonite. Alors, bon, on est sur le chemin de randonnée là. Une belle petite découverte. Donc, une découverte extraterrestre. Et vous, vous habitez quelle planète?
Ensuite, on peut aller sur la gauche, là, bon, c'est ce que je vais faire. Puis après, le chemin de randonnée, il continue là-bas, tout droit. Vers la constellation du pic de Chewbacca. On va s'approcher. On ça, toi. On va refaire un petit tour. Hein. Il n'y a pas souvent ici. Là. Bon, ouais, nous voilà dans la Stargate. Je sais pas qui est-ce qui va arriver. C'est un peu haut. Hein. Je vais aller jusque là-bas. Voilà, je vais dans un petit vallon. Hop. T'as des sacrées ardoises. Attends, je pourrais peut-être même descendre par là. De derrière. Les jolies montagnes. En contrebas là, ouais, je fais tout le tour simplement. Ah, il y en a qui vont bientôt se casser la figure. Hein. Là, c'est la rentrée, donc bon, on en les. On sort les ardoises. On va faire un petit tour. Hein. Attends. Alors, s'il n'y a pas deux coups de vent, il y a même des fleurs qui poussent, enfin des plantes hein, plutôt. Je devrais pas passer la porte de l'au-delà, normalement. Mais puisque celui-là, il va tomber bientôt, hein, celui-là de tout là-haut. Là. Là, comme ça. En fait, c'est du multicouche. Je m'éloigne pas trop parce que j'ai laissé le bâton, je suis plus trop bon. Oh bah attends, je pourrais peut-être même passer par là. Ouais. Bah oui. En fait, vous faites tout le tour. Il y a moyen de faire tout le tour. Et puis là, ça a quand même être moins dangereux si j'avais eu un coup de vent. Là, on vient tout derrière là-bas. Hop, là-bas. Ouais, les baraques, on les voit pas. Ah ouais, tout à l'heure, on entendait les deux patous, là. Ouais, enfin, ce qu'il y a, c'est que je vais devoir aller rechercher mes bâtons, là-bas. Ouais, c'est top, par exemple, t'as pas vu, ouais, voilà des gens. Hop, et ils sont tout petits.
Bon, c'était sympa comme tout. Hein. Hop. Un moment ici, en bas, on voit pas notre chemin quelque part ici. Pas loin à mon avis. Ouais, il va rester quand même plus de 250 de dénivelé. Alors là, il y a juste un petit aller-retour en zigzag à bonnet blanc, blanc bonnet, parce que ouais, en fait là-bas j'ai vu, ouais, donc je pense que c'est par là-bas qu'on passe ensuite, sauf que ouais, non, les gens ils viennent vers moi, donc blanc bonnet, bonnet blanc, c'est là-bas. C'est en redescend. Ouais, parce que le chemin, il n'y avait pas l'air super visible. Col de Côte-Belle 2290. Alors, je sais pas pourquoi c'était marqué bonnet blanc sur sur ma carte. Un autre petit panorama derrière. Alors, les superbes orgues de Valsenêtre. Ouais. Valjouffré. Et voilà notre panorama. Ouais, attends, il y a quoi faire ici? Et pour le coup, tout à l'heure, Mathieu, on disait au départ, ce match-là par rapport au match, là, pour le coup, il n'y a pas de problème. Même panorama que tout à l'heure. Bon, bah c'est bien joli tout ça. On va redescendre. On va avoir un peu de tranquillité. Col de Côte-Belle. Hop. Altitude 2290. GR54, si je dis pas de bêtises. Côte de Côte-Belle. Bon, de toute façon, le panorama, je vais l'avoir en descente. Ouais, tu vois, il y a quelqu'un qui descend tout seul, donc on était, ouais, je suis pas allé tout en haut là, hein, je suis allé juste là-bas pour avoir le panorama, et je suis redescendu faire ma petite pause pour pas entendre de bruit. Hop. Et donc bah ouais, le chemin c'est là-bas qu'on va. Alors j'espère que, parce que j'ai vu c'est juste encore un deux ou trois zigzags là en contrebas. J'espère que c'est assez accessible. Sinon, bah, ce sera demi-tour par le même chemin. Alors, tout là-bas. Attends, ouais, là, enfin, je sais pas si je vais bien réussir à montrer avec mon toit. Il y a des chamois. Alors, je vais essayer de le faire avec le zoom parce qu'ils sont moins 8. Ouais, peut-être même un peu plus. Hein. Ouais, non, parce que ça c'est genre un peu notre chemin retour, donc moi je préconise de pas trop passer par là, hein, parce que je sais pas comment il fait le mec, mais
Parce que c'est une pente de 35% là. Hein. Et puis si jamais t'es bloqué là-bas, et puis enfin ça c'est. En fait, ouais, c'est pas. Je dirais qu'il y a un chemin là-bas. Hein. Mais c'est que c'est ici, là, c'est pas. Et puis je suis même pas sûr qu'on puisse passer. Parce que après, là, peut-être tech, on voit bien le chemin. Hein. Ou alors les gens. Le mec, c'est un casse-cou. Et puis ce chemin-là, c'est le chemin pour de l'autre creux, quoi. Bon, au moins je me disais que c'était faisable, mais bon, t'as le terrain en pente et tes chaussures, elles vont tout le temps être comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va être ultra épuisant. Hein. Et après, faut tenter de le faire en zigzag parce que là, c'est du 35%. Donc non, bah je passe pas par là, c'est con parce que y a pas grand chose. Hein. Ah, y a pas grand chose. De très physique. Parce qu'après t'arrives je pense quelque part là et puis tu rejoins hop ici là-bas et tu reprends là-bas. Mais bon. Là bah ce sera pas pour ce coup-ci. Hein. Peut-être en montée c'est faisable, mais on peut peut-être prendre la randonnée dans le sens, j'en sais rien. Mais en descente, ça me semble un peu chaud. Ouais, après l'intérêt de passer par là-bas, bon il reste mineur, hein, de toute façon. On a le même panorama quasiment, ou après de toute façon il sera masqué. Ici on l'aura, enfin dans le dos, une fois qu'on sera un peu plus descendu. Et puis ouais, parce que après on rejoint sur le dernier kilomètre 500, on doit rejoindre la même trace. Et puis en fait j'ai vu genre un peu personne quoi qui passait par là pour le moment, tout le monde est passé par ici. Bon après ouais, après 150 millions de personnes qui passent par là. Ouais, après, voilà, c'est, si c'est des gens qui. Bah ouais. Non, mais après, enfin, la plupart des gens, c'est des gens avec des gros sacs, donc ils dorment. Tu vois. Hop. Bon, je vais pas retourner, là. Mais bon. On a un peu plus de soleil. Oh, enfin, quoique ici, on a le soleil dans les yeux. Hop. Ah non mais c'est super top ce machin. Il y a la lance ici de Zeus, on va dire. Ouais, j'aurais peut-être le contre. Ah bah non, je pensais qu'ils avaient protégé. Ils ont protégé pour vers le bord en fait. Là, en fait, c'est le chemin. Ouais. Ce que ça va donner. Hop, avec le soleil. Ah. J'ai plus mon appareil photo, donc je peux plus trop zoomer. Ouais, j'avais pas regardé le kilométrage, mais bon. Je vais peut-être l'afficher, sinon la distance totale comme d'habitude et le dénivelé. Ouais. Donc si jamais on passe de l'autre côté, ce que je recommande pas, on aura le panorama là aussi. Bah, ici on est un peu plus proche quand même. Mais c'est vrai que là, ça, c'est magnifique. Hop, c'est super bien ensoleillé. Pour quelle heure il est 13h peut-être.
Ouais, avec le soleil, c'est toujours plus beau, hein. Bon, alors, moi, on a les montagnes juste en face. On avait fait une super randonnée aussi, c'était le signal de la Grave. Bah, c'est pas bien loin en plus, enfin, pas bien loin. Du côté de bah, la Grave, la Grave Briançon et le lac du Goléon. Ah, c'était super top. Par contre, c'était un peu physique quand même, hein, aussi. En gros, j'ai fait 18 km. Hein? Là, je vous conseille ma vidéo. Et là, t'avais la montagne en face. Ouais, et puis tout à l'heure, je disais, il y avait le chemin sur la gauche, là, en contrebas, et bah, qui va à la cabane du berger qui est ici. Mais attends, on dirait qu'il y a une voiture là-bas, peut-être même deux. Mais franchement, le chemin, bon si, là, j'en vois, là. Sauf que après, après, c'est hyper vertical. Hein. Après, bon, on est loin quand même. Mais je vois pas par où tu peux passer. Ah, peut-être par là et entre les deux montagnes ici dans mais sinon et puis là c'est que ça va grimper en plus hein. beaucoup plus qu'ici donc je vais regarder parce que hop, ça m'intéresse aussi. Non, parce qu'à chaque fois j'ai oublié de dire là on était à 971 de dénivelé. Attends parce que t'as vu la cabane du berger elle est là et il y a des grosses pierres là qui me semblent assez instables. Faudrait peut-être tomber plein, mais bon. Après le berger il est pas là toute l'année et là on voit bien j'ai un chemin, tac tac tac, alors après jusqu'où il va. Mon avis le plus probable c'est sur la gauche. Parce que là-bas, ça me semble un peu, elle me semble un peu hard. Hop. Je sais pas ce que c'était comme oiseau là. Hop. Et non, et ben là, il y a la cascade. Ouais, non mais c'est vrai que c'est super bien de redescendre à la limite par le même chemin. Enfin, après, sauf si vous faites en itinérance, hein, mais. Ah puis on voyait pas aussi bien que ce matin là. Ouais bah écoute, ouais, il y a toujours des avions. Donc là j'ai fait 590 de descente sur les 971. Hop, à réaliser. Là, il y avait quelques petites un petit passage monté, mais là à mon avis la montre elle le calcule pas ça. Quand c'était. Quand c'est un mètre ou deux, puis ça dépend de la fréquence d'échantillonnage. Ah ouais, c'est toujours aussi beau ici. Hein. Ouais, bon, ouais, j'avais toujours pas compté les zigzags. Hein. De toute façon, j'y m'y serais perdu. Et là-bas, ouais, si on a de la neige, c'est parce que, en fait, il y a neigé. L'Alpe d'Huez, là où j'étais, le Pic Blanc. Le Pic Blanc, c'est 3300. Alors, je sais pas si, quand est-ce que je vais sortir ma vidéo. Mais c'était super beau. Et effectivement, j'ai vu une photo, il y avait pas loin de 20 cm de neige. Et là-bas, ouais, juste derrière, on doit être ouais, 2008, 2009 peut-être. Bon, beaucoup plus, je pense. Hop, regarde, il y a des sortes de pitons là. Ouais, c'est sûr, quand tu montes, tu vois un peu moins de choses peut-être. Et puis, il fait pas clair et puis t'es fatigué. Là, la descente c'est plus tranquille. Ouais. Bon, on voit, il n'y a pas beaucoup de neige, hein, de toute façon. Et... Ouais, j'arrive bientôt au roi des pâquerettes. Ça va être un peu plus tranquillou. Hein, le... Donc j'avais noté, c'est plus du 13% max dans le... chemin carrossable, on va dire un peu plus bas. Voilà, on repasse au spot là. Ouais, il y a tous les bardages, ouais, ils ont même fait des coulées de béton et tout ça. Ah, c'est sinon, ouais. Le truc ça va s'abîmer, ça va dégringoler jusqu'en bas. Et puis à force, bah, les petits villages de Valsenestre vont un peu disparaître.
Ouais, bah, on a une belle petite forêt aussi. Hein. C'est mieux avec tout le soleil toujours. Hein. Bah, attends, là, il reste 90 mètres de descente. Bon, c'est sûr, on n'est pas encore super arrivé, mais bon, on va bien voir. Oh, j'ai pas regardé la distance. Ouais, ça, c'est la zone de bivouac. Oh. Après, j'ai vu qu'il y en a qui se sont mis un peu plus bas aussi. Hein. Selon, donc c'était marqué de mai à octobre. Ouais, j'ai toujours pas regardé la distance. Tout à l'heure, c'était marqué dangereux, là. Et bivouac hors zone. Bon, c'est jamais. Hein. Ouais, et le dernier beau petit passage. Ah, c'est tout ce qu'on voyait d'en haut en fait. Hein. On voit même la cascade là-bas. Le petit chemin. Il n'est pas très large hein, le torrent. Et donc 12,7 km si je ne m'abuse.